pense qu'il y a encore un martinet numéro 5 et un moineau qui regarde à l'intérieur depuis l'entrée. C'est la femelle. Elle vient de ressortir. Oui, le martinet va sortir, regardez. Le mâle arrive. Je vais essayer de zoomer sur la zone. Mais... Là, je crois que leur sort, que c'est cuit. Les deux moineaux sont à l'extérieur. Ah ! Un martinet vient de cogner la fenêtre au-dessus de la porte du 11. Ah ! Je vois de nouveau un bout de martinet qui sort du... Je ne sais plus où regarder. Le martinet est toujours à l'intérieur du numéro 5. On voit sa queue qui dépasse. Nous sommes en train d'abandonner, je crois. Le mâle est au sommet du toit, la femelle sur la corniche. Je vais dézoomer parce qu'il y a des martinets qui passent au-dessus. Ah, il y en a encore un qui vole au niveau des portes d'entrée. Je suis très curieuse de voir ce qui va se passer quand il sort. Ah, oh! Le moineau mâle vient de piquer dans la queue du martinet. Mais le martinet reste toujours à l'intérieur. Ouais,
J'ai encore changé d'angle. Nouvelle tentative de contre-attaque du martinet. Un martinet vient encore de passer très très bas. Ça dure. Maintenant, c'est la femelle qui tente sa chance. Mais il n'essaye pas vraiment d'attaquer. Ah, le martinet va sortir. Hop, ah, le moineau rentre dans son trou. Mais selon Louis-Philippe Arnem, il est fort probable que les martinets aient éliminé la nichée. Ah.